compagnie de Jean-Marc Charrière, qui est un ancien éleveur et qui a écrit cet ouvrage, Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages, moi qui m'a bouleversée, vraiment. Déjà, dans un premier temps, Jean-Marc, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots et puis déjà nous dire ce qui vous a poussé à écrire sur ce que vous avez vécu. Alors, je m'appelle Jean-Marc Charrière, je vis en Suisse, je suis travailleur social. Et ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est notamment des discussions parfois quand vous êtes dans une conversion, que vous devenez végétalien et que voilà, vous avez des personnes autour de vous qui comprennent pas. Et qui usent de plein d'arguments qui sont fallacieux et qui voilà qui tiennent pas en compte le fait que ils ont affaire à quelqu'un qui connaît ce que c'est l'élevage parce que je l'ai pratiqué. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre pour un peu Oui. montrer la face cachée hein, de ce qu'est l'élevage. C'est ça. Et pour essayer peut-être que les gens comprennent au final et ouvrent les yeux aussi et comprennent par l'intermédiaire de quelqu'un, comme vous dites, qui a été au cœur du sujet, quoi. C'est pas anodin, ça. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi dans votre projet et dans votre parcours, c'est que il y a eu une enfance en fait où il y a eu plein de paradoxes et de contradictions au final des adultes, et vous avez vécu un petit peu là-dedans, notamment même on vous obligeait, hein, quelque part, c'est votre grand-mère, je crois, qui vous obligeait à manger de la viande. Donc vous avez, comme beaucoup d'entre nous, on va dire, hein, comme beaucoup d'humains aujourd'hui sur cette terre, vécu dans une espèce de dissonance un petit peu environnante comme ça, et qui, au final, vous a poussé à faire des choses qu'au début, vous n'aviez pas du tout projeté de faire, ou comme, enfin, vous aviez même envie d'être vétérinaire quand vous étiez enfant, donc on voit bien le fossé au final qui s'est passé dans votre vie. Oui, absolument. C'est le problème des dissonances cognitives, hein. Et ça concerne tout le monde. Effectivement. On est tous touchés par ce genre de phénomène psychologique. Et c'est vrai que dans mon milieu familial, on était très attachés aux animaux. Et moi, très rapidement, j'ai compris. Enfin, je vivais cette injustice. Pour moi, c'était quelque chose de contre-intuitif, d'élever des animaux pour les tuer et les manger. Et très rapidement dans ma vie, j'ai refusé ça et je voulais pas manger de viande. Mais le problème, c'est que bah, voilà, dans ma famille, c'était voilà, les enfants décidaient pas ce qu'ils mangeaient. Donc voilà, on m'a obligé à manger de la viande, mais eux-mêmes étaient aussi très attachés à leurs animaux et avaient ce paradoxe hein, où par exemple dans la ferme, on n'a jamais mangé nos propres animaux parce que c'était il y avait cette trahison qui n'était pas acceptée, qui n'était pas tolérée, mais c'était toléré de manger ceux des autres. Et puis c'était toléré que les autres mangent nos animaux. Et j'ai vécu dans ce paradoxe, en fait, et dans ces dissonances cognitives très, très tôt. Et j'ai très tôt compris un petit peu ces mécanismes. Oui, c'est ça. Et au final, la vie vous a amené à vous aussi être éleveur et à vivre, comment je dirais, cette dissonance-là au quotidien. Donc, vous avez été au cœur du système, hein. Donc, Oui. vous êtes en Suisse. Ce que vous décrivez, c'est un système suisse, mais je pense que dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça, en France, également. Oui, alors moi j'ai vécu dans les deux pays, hein. D'accord. J'ai fait une partie de ma formation en Suisse, effectivement, parce que moi, je suis d'origine suisse, mais mon grand-père avait sa ferme en France. Et quand je suis revenu en France pour reprendre la ferme, j'ai vécu le système français. J'ai aussi travaillé dans des exploitations en France, hein. Je connais les deux systèmes et qui est identique, hein, c'est la même chose, c'est la même logique, hein, il y a pas de différence, si ce n'est une différence d'environnement et encore il y a des environnements qu'on retrouve en France comme en Suisse. Il y a une législation qui est peut-être un petit peu différente en Suisse, mais qui se veut être meilleure qu'ailleurs, mais qui finalement se compare au néant en fait. Donc voilà, c'est pas vraiment mieux pour les animaux, hein, si ce n'est de quelques petits détails. Mais la logique, c'est la logique économique qui guide le devenir d'un animal d'élevage. Oui, eh oui, c'est ça.
Et c'est ça, vous en parlez dans le livre d'ailleurs à un moment, c'est quand vous parlez du rendement carcasse, là, c'est le truc horrible en fait Oui. d'avoir élevé l'animal. Et je pense au veau, un veau en particulier qui vous a fait peut-être un déclic, où finalement Oui. vous l'avez, vous étiez attaché à lui, vous étiez avec lui, tout voulait. Et puis il vous est revenu au final juste en carcasse, et là vous vous dites, là il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, absolument. Et c'est vrai que vous faites allusion à mon premier veau que j'ai vendu à l'abattoir. Enfin, un marchand qui le vendait à l'abattoir. Effectivement, où ce qui vous revient, c'est un ticket avec voilà, bah voilà, le rendement carcasse. Voilà ce que ça va vous, ce qui va vous rémunérer. Ça nous donne un montant avec voilà, on s'est mis d'accord avec le marchand sur un poids au kilo carcasse. Et du coup, bah voilà, il vous rend le ticket de pesage après abattage et après vidage. Préparation, voilà, à l'abattoir, et c'est ça qui revient. Il s'est passé quoi dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions à ce moment-là? Bah moi, c'est surtout ce que j'ai mal vécu, c'est de emmener ce veau dans cette bétaillère. Et puis c'est un petit veau, bah voilà, qui était docile, qui était attaché à nous. Enfin, on était attaché à lui. Enfin, c'était réciproquement. Voilà, il y avait un lien qui s'était construit avec ce petit veau. Et l'amener dans cette bétaillère qui allait l'amener à la mort. Et ce veau qui finalement, au début, voilà, suit parce qu'il me fait confiance. Et puis, à un moment donné, quand on va pour refermer la porte, il comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui se déroule, qui est pas normal. Et ça m'a profondément affecté. Hey, ça vient chercher dans un sentiment de trahison, en fait. C'est exactement ça. C'est absolument ça. Ouais. Il n'avait aucune raison de douter de moi, de ce que j'allais lui faire. Et en fait, ce que je lui fais, c'est que je le tue par procuration. Je l'envoie à la mort. Donc, c'est pas moi qui fais l'acte de le tuer, mais je le tue. Oui. Et donc, ce que vous avez vécu au quotidien, franchement, ça a dû être assez horrible. Et je pense que c'est malgré tout aussi le quotidien de nombreux éleveurs qui, au final, cachent peut-être leur. Parce qu'on en est là, c'est refouler ses émotions pour pouvoir survivre et continuer à faire une activité qui, au fond de soi, sait qu'elle n'est pas saine. Mais donc, il y a cette espèce de coupure avec ses émotions. Et d'ailleurs, vous en parlez aussi d'une personne chez qui vous avez travaillé qui était alcoolique hein, au quotidien. Parce que je pense que c'est tellement. Ça va nous chercher tellement loin, cette relation avec les animaux et cette relation de trahison, parce que finalement, c'est ça. Mais l'être humain, pour survivre, est obligé de se couper, de se mettre. Une coupure de ce qu'il ressent, de son humanité. C'est exactement ça. En tout cas, personnellement, après, je ne peux pas parler pour les autres, mais personnellement, c'est ce que j'ai dû faire. Il y a un moment, voilà, on se coupe de ses émotions. On essaie de plus construire de lien avec ces animaux parce que ça devient dangereux, puisque ce lien d'attachement, il se solde par cette trahison, il se solde par la perte la perte au niveau sentimental, puisque c'est pas une perte au niveau financier, mais puisque c'est ça l'objectif finalement, c'est de gagner de l'argent avec cet animal. Mais la perte sentimentale, elle n'est pas chiffrable. Et on se retrouve coupé des émotions. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en faisant ça, bah, mon travail n'avait plus aucun intérêt, en fait. Moi, je voulais travailler avec les animaux parce que je les aimais. Parce que j'aimais nouer des contacts et des liens avec ces animaux, mais le fait de se couper comme ça n'avait plus de sens. Et oui, on entend souvent hein, des éleveurs qui vivent ce malaise, hein, qui clairement ont ce malaise et qui sont obligés de se couper des émotions pour pouvoir faire face. Et puis après avoir tout un tas de j'allais dire d'excuses, hein, en tout cas d'arguments pour justifier et dire non, mais c'est normal, ils sont faits pour ça. Enfin, il y a toute une rhétorique, hein, autour de ça pour se rassurer, mais au fond, c'est bien un sentiment de trahison. On m'a même dit non, non, mais c'est pas de la trahison. Mais si on éprouve ce malaise, c'est bien qu'on ressent ce sentiment de trahison envers l'animal. Et donc vous avez fait ça un peu par résignation, quoi, parce que aussi vous êtes coupé de vous-même, hein, et de ce que vous ressentiez à un moment. Oui.
Absolument. Ouais, c'était de la survie. Et puis Voilà. Ouais. là, ça, après, c'était des automatismes. Et puis. Ouais, c'est ça ne marche pas. Voilà, après, l'être humain devient comme un robot, hein, finalement, par Exactement. automatisme. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, il y a la violence envers les animaux, il y a la violence envers soi-même, la violence envers les autres humains aussi. Et Oui. ouais, il y a des choses, moi, qui m'ont. Alors, il y a des choses que je savais, bien sûr, enfin, que je savais, que je. Voilà, dans ce que vous dites, mais il y a des choses qui m'ont vraiment surpris. Alors, notamment l'histoire des croisements génétiques, là. Alors, je ne sais pas si je vais bien retranscrire, mais de ce que j'ai compris par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de croisements comme ça, il y a des animaux, alors ça, on en parle un petit peu, mais il y a des animaux qui ne peuvent plus vivre sans prendre d'antibiotiques, si c'est bien ça. Ils ne peuvent Ouais, là, plus. vous parlez de la sélection génétique. Oui, voilà, sélection Mais, génétique. oui. Alors, c'est-à-dire qu'on, avec la sélection génétique, on va améliorer le capital génétique d'un animal pour un but de production. Moi, ce que je connais particulièrement, c'est les vaches laitières, puisque c'était mon domaine. Mais c'est vrai que dans certains domaines, comme chez les porcs ou chez les volailles, oui, on se retrouve avec des animaux qui, enfin même chez les bovins, hein, on se retrouve avec des animaux, par exemple, chez les bovins qui ne peuvent plus veller seuls, par exemple, avec la race blanc-bleu belge, par exemple, où les éleveurs systématisent les césariennes, parce que c'est des animaux qui ont tellement, où la musculature s'est tellement Oui. hypertrophiée que ces bêtes ne peuvent plus mettre bas seules. Dans une moindre mesure, on a des races comme les charolaises, hein, qui sont réputées pour être difficiles à veiller, où c'est pas systématique, mais c'est vrai que les césariennes sont assez fréquentes. Mais en tout cas, les éleveurs doivent être sur le pied de guerre quand c'est la période des vellages. On voit des éleveurs qui ne dorment plus, hein, ou en tout cas qui dorment par tranche horaire et qui se lèvent régulièrement pour aller surveiller les vellages. On a une race laitière qui est la Primolstein, où on se retrouve avec des animaux qui ont des mamelles qui deviennent tellement grosses que les vaches arrivent à peine à se mouvoir. Ça génère des problèmes métaboliques, parce que vous imaginez bien qu'avec des productions pareilles, hein, surtout qu'une vache laitière, il faut bien comprendre qu'elle produit. Aujourd'hui, on a des moyennes de production qui sont presque à 10 000 kilos. Enfin, c'est pas rare aujourd'hui d'avoir des moyennes sur des élevages à proche de 10 000 kilos de lait par lactation. C'est-à-dire qu'une vache, en 330 jours, 300 jours, elle va produire, imaginez-vous, 10 000 kilos de lait, sachant que c'est pas une production linéaire, c'est une production qui a un pic et qui se réduit au fur et à mesure de la lactation. Donc, imaginez, tout en étant portante, la plupart du temps. Donc imaginez-vous, je ne sais pas si voilà, s'il y a des mamans qui Oui, nous écoutent, imaginez-vous ce que c'est, hein, d'allaiter, de produire du lait tout en étant portante, avec tout ce que ça implique au niveau du corps, de la santé, etc. Et puis on se retrouve avec des animaux effectivement où la prise d'antibiotiques est régulière, hein, notamment bah, chez les vaches laitières, c'est pour les mamites. Alors il y a des efforts qui sont faits parce que bah déjà ça coûte, hein, oui. de donner des antibiotiques. Ça génère les problèmes qu'on connaît, hein, l'antibiorésistance, les problèmes aussi de commercialisation du lait, hein. Si on a une vache qui est sous antibiotiques, on ne peut pas commercialiser le lait pendant un certain temps. Donc ça génère tout un tas de problèmes donc c'est quand même bénéficiable à l'éleveur de réduire comment dire, la distribution d'antibiotiques, mais il y a des moments où il n'y a pas le choix, en fait, quand vous avez une bête qui a des mamites, par exemple, ou d'autres problèmes. Après, il y a les blessures, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver dans un élevage et où les antibiotiques sont massivement donnés. D'ailleurs, c'est reconnu, hein, par l'OMS que le problème d'antibiorésistance Tout à fait. qui arrive est quand même massivement dû à l'élevage, hein. Complètement. Ouais. Et moi, je suis dans une région où il y a l'élevage des vaches limousines, hein, puisque je suis en Haute-Vienne, donc en Limousin.
Et vous parlez à un moment aussi, notamment quand vous étiez à l'école d'agriculture, vous avez vu comment il y a les cornes qui sont, Oui. je sais pas comment on dit, brûlées, quoi, carrément, pour pas qu'elles Oui. poussent et qu'elles, soi-disant, il y ait des problèmes, soit envers les hommes ou entre elles. Et ouais, ça, c'est quand même hyper violent aussi, hein. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a tous ces arguments de non, ça leur fait pas mal, non, c'est pour leur bien-être et tout, qui est complètement retourné. C'est contre nature absolue. Et en plus de ça, la souffrance que vous décrivez de ces animaux, elle est intolérable. Oui. Effectivement, hein, ceux qui disent que l'écornage à vif ne fait pas mal sont des idiots ou des gens d'une mauvaise foi inqualifiables. Non, non, c'est des opérations qui sont ultra douloureuses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des recommandations hein, d'anesthésie locale qui sont faites, mais qui ne sont pas contraignantes. Contrairement en Suisse, où maintenant, depuis 2008, sauf erreur, l'anesthésie est obligatoire pour l'écornage, donc l'écornage précoce, quand ils sont encore des veaux. Effectivement, on brûle, hein, c'est un fer chaud sur lequel qu'on vient appliquer sur le bourgeon de la corne. Voilà, on vient brûler cette corne. Ça se faisait à l'école d'agriculture, hein, ça se faisait sans anesthésie, et puis c'était sans. Voilà, il n'y avait pas vraiment de sentiment, hein. Fallait le faire et puis on se posait pas de questions. Et moi, j'ai assisté à ça plusieurs fois et c'était toujours quelque chose d'horrible. Et puis c'est vrai, oui, la raison, c'est maintenant avec les tabulations libres, donc c'est des espaces où les animaux, quand ils sont rentrés l'hiver, ne sont plus attachés mais vivent libres de leur mouvement, entre guillemets. Et en fait, ce qui est souvent mis en avant, c'est que les vaches se battent, stabulation libre. Ce qui est en partie vrai, hein, c'est pas complètement faux, parce qu'elles sont dans des espaces qui sont restreints, et des animaux dans des espaces restreints, il y a une hiérarchie qui se fait, et quand elles peuvent pas s'éviter, et quand le combat peut pas s'éviter parce que les limites physiques les restreignent, eh ben, ça arrive qu'elles se mettent des coups de corne et elles se blessent. Après, c'est pas non plus la boucherie qui est décrite des fois. C'est ça. Donc, quelque part, c'est presque un faux problème qui est créé par l'homme, au final, pour faire encore une fois souffrir l'animal, alors que dans son milieu naturel, moi je sais qu'ici, bah, à côté, il y a un éleveur pas loin, les cornes, elles ne sont pas coupées des vaches, elles sont dans des grands espaces et tout. Il n'y a jamais de tuerie entre elles, il n'y a jamais Non. quoi que ce soit, du moment que leur milieu est respecté, il C'est ça. n'y a pas de raison. Dans un pâturage, elles se battent jamais. Hein. À part, il y a une race. On a une race en Valais qui a été sélectionnée exprès pour les combats. Puis encore, elles se battent même pas. Elles se battent au début quand ils les sortent. Elles font hiérarchie. Une fois que la hiérarchie est faite, elles se battent plus. C'est ça. Et puis quand elles ont de l'espace, on voit jamais de vaches se battre dans un pâturage. Bah non. Bah. Et il y a aussi le sujet des inséminations, là, qui est vraiment violent aussi, dont vous parlez dans le livre. Enfin, quand on lit votre livre, franchement, on ne peut pas rester. Alors, moi, ça fait longtemps que je mange plus de viande et tout, hein, bien sûr, mais franchement, c'est. Ça va chercher loin, ça va nous chercher loin. Oui, l'insémination, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui paraît anodin, parce que je dirais c'est un peu vicieux, l'insémination artificielle, parce que pour une vache, il n'y a pas de douleur aiguë, je dirais. C'est pas quelque chose comme l'écornage, où là, il y a une douleur Oui, aiguë, c'est vous avez un ça. animal qui se débat, qui souffre, on voit clairement qu'il souffre. Une vache qui se fait inséminer, on n'est pas dans un degré de violence aussi important, mais on est quand même, si on observe les animaux, on est quand même dans quelque chose où c'est pas OK. On voit, et d'ailleurs, on peut voir au regard d'une vache, on reconnaît très bien une vache quand elle est stressée, ou quand elle est gênée, ou quand il y a quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, j'ai encore lu un article d'éthologie là-dessus, où en fait ils ont fait la corrélation entre le et c'est quelque chose que j'avais remarqué, en fait, entre l'œil d'une vache, à plus on va voir le blanc de l'œil d'une vache, c'est un signe de stress, en fait, Oui, bien sûr, et de stress et de douleur. bien sûr. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, et c'est validé maintenant par les éthologues. Et si vous observez une vache, vous allez voir ce regard
qui en dit long hein, sur ce que vit l'animal. On voit les signes de gêne. Et puis, au-delà de l'acte en lui-même, qui, bon, est discutable, mais encore, on pourrait encore passer là-dessus, c'est toute la logique qu'il y a derrière. Hein. C'est que l'insémination, elle se fait parce que déjà, on a un catalogue de taureaux sur lequel on va choisir quel caractère, c'est la sélection génétique, quel caractère on va vouloir améliorer, qu'est-ce qu'on attend de cette vache. Il y a une question d'uniformisation aussi, hein, surtout chez l'élevage laitier, hein, où on va vouloir adapter l'animal à l'outil de production, hein, notamment, je pense aux salles de traite avec les systèmes ou les robots de traite, où on a besoin d'animaux qui ont des traites rapides, parce que sinon, voilà, si un animal est plus long que les autres, on va ralentir tout le reste de la traite. Et puis le but, c'est justement quand on investit dans des systèmes qui sont très très coûteux, quand on investit dans ce genre de système, le but, c'est voilà, c'est de l'exploiter au maximum. Donc, pour ce faire, on a besoin d'uniformiser les animaux. Et après, il y a toute la question de la production. On veut des animaux qui produisent plus, hein, de meilleure qualité. Des animaux. Des fois, il y a des traits de caractère qui sont très, qui peuvent surprendre. Hein. C'est aussi on a des éleveurs qui sont passionnés par les concours de beauté, hein, de Mais bovins ou d'autres, et qui vont sélectionner des critères selon des critères de beauté aussi. comme quoi tout est permis. Et ça me fait penser un peu à l'univers de l'élevage aussi des chevaux. Alors, ça, je sais pas si vous connaissez un peu. Moi, j'ai été cavalière longtemps en centre équestre. Voilà. Et c'est vrai que dans l'histoire des inséminations, tout ça aussi, il y a dans les chevaux, et ça se passe. Alors, je sais pas si on peut comparer, mais il y a des trucs quand même qui sont similaires. Oui, je connais pas bien le milieu équestre, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a des choses qui sont totalement similaires. L'humain a une idée de ce qu'il veut, que ce C'est soit ça. pour des termes esthétiques ou des termes de production, et voilà, on a notre catalogue et puis on choisit. Et puis après, c'est pas une science exacte. Il faut bien comprendre que c'est pas une science exacte. C'est pas parce qu'on a choisi un taureau qui améliore un caractère X que ça va forcément l'améliorer. La génétique, voilà, ça reste la génétique. Un père, une mère, il y a un brassage qui se fait, Heureusement, justement. mais ça fonctionne quand même, hein. C'est quelque chose, il faut bien comprendre qu'on a des troupeaux qui ont été améliorés sur ça. Ça se passe sur des années, voire des générations, mais on voit notamment avec la production laitière, on voit une augmentation de la production, et ça, c'est principalement le fait de la sélection génétique. Donc vous aujourd'hui vous êtes sorti de tout ça. Oui. Vous avez pris le tournant, je dirais. Il y a un moment donné où ça vraiment c'était plus possible, c'était invivable. Oui, ça devenait vraiment quelque chose qui me travaillait trop. C'était moi de voir mettre ces animaux à l'abattoir, c'était plus vivable pour moi. Il y avait quelque chose qui fonctionnait plus et qui me mettait dans un état de souffrance indescriptible. Et il y a eu un moment, c'était stop, il y a eu le déclic, et puis j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Après, il y a un argument souvent qu'on entend, c'est que bah oui, mais les élevages, eh ben, il y a de l'emploi, et qu'est-ce qu'on va faire des agriculteurs si tout ça s'arrête? Vous voyez le truc. Donc justement, vous êtes sorti de ça, aujourd'hui vous êtes reconverti, vous êtes vous faites quoi aujourd'hui? Je suis dans le social aujourd'hui. En social, donc vous aidez les autres humains, Voilà. vous avez une voie qui vous plaît, donc il y a possibilité. Et puis comme vous dites dans votre livre aussi, c'est bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire des animaux, comment les utiliser? Bah, alors déjà les utiliser, je trouve que c'est quand même assez violent aussi, mais il y a moyen de les utiliser entre guillemets autrement peut-être que de les élever dans des conditions Oui. pareilles que pour la mort. Donc vous êtes entre guillemets comme un exemple aussi, quelqu'un qui montre que c'est possible de changer de voie et de faire autrement. Après, il y a plein de façons de changer de voie. C'est vrai que on parle des animaux, mais l'agriculture, c'est pas que des animaux. On a mille et une façons de percevoir et de faire agriculture. On peut
cultiver plein de choses. On peut aussi, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs doivent se réapproprier aussi les circuits de distribution. Moi je pense à la transformation, hein, c'est que moi si aujourd'hui on me redonnait la ferme que j'avais, moi j'investirais dans de la production de divers produits et j'investirais dans la transformation de ces produits pour vendre des produits finis directement ou plus ou moins directement aux consommateurs. Et puis après, il y a plein d'activités. Moi, je pense notamment en montagne. Hein, il y a aujourd'hui, il y a un créneau pour tout ce qui est lié à la nature. Il y a une demande là-dedans. Donc, je pense que pour des agriculteurs, des agricultrices qui connaissent bien leur environnement, qui connaissent voilà ce qui se passe dans un milieu X, bah il y a des choses à faire, accompagner des gens pour aller observer des loups, aller observer de la nature, observer de la faune. Donc il y a mille et une façons, à mon avis, Mais oui. de reconvertir, mais puis de se reconvertir sans forcément abandonner une exploitation. Je pense qu'il y a plein de façons Oui. de faire. Et puis l'animal n'est pas une nécessité. Et puis comme vous le dites justement, moi ce que je pense, c'est qu'on peut aussi avoir une collaboration, hein, avec les animaux. Bah Je pense que quand vous parliez d'utiliser, c'est vrai que le mot est pas tellement adéquat, mais en tout cas moi je parle plus de collaboration, c'est-à-dire qu'on ouais, je pense qu'on peut avoir des animaux, utiliser leurs qualités, bah notamment, on parle souvent des paysages, etc. Alors même si cette notion de paysage, elle est très anthropocentrée et que, en fait, ce qu'on appelle des paysages, ce qu'on pense être des paysages naturels, en fait, sont des paysages artificiels, hein, qui ont été créés depuis voilà, des siècles. Donc, en fait, les paysages qu'on connaît ne sont pas naturels, mais dans une idée de maintenir une certaine idée du paysage, bah c'est vrai que les animaux ont un rôle à jouer. Moi, je pense notamment à ce qui a été fait déjà en Europe, à travers l'Europe, hein, des expériences de réensauvagement où on a utilisé des anciens animaux d'élevage, des bovins, des chevaux, qui sont remis à l'état sauvage ou semi-sauvage et qui permettent de maintenir des espaces, qui permettent aussi de lutter contre les incendies de forêt et qui permettent aussi la réintroduction de ces grands herbivores dans la nature permettent aussi une amélioration de la biodiversité. Oui, complètement. Et c'est vrai que ici, donc, on est dans une région où l'élevage bovin est très très ancré. Il y a une espèce de comme de fidélité, voyez, un truc familial qui vient de loin, machin. Et il y a plein de gens qui, je pense, se sentent pas forcément très à l'aise peut-être avec ce qu'ils font, mais par fausse, entre guillemets, fidélité à leurs ancêtres et à leurs trucs, et ben continuent quand même. Ça, c'est quelque chose qui bien présent hein, ici, en tout cas. Et Ce que vous décrivez, oui, la pression sociale, ça voilà, c'est c'est ça, la une pression évidence, sociale. hein. Il y a une pression familiale, il y a une pression sociétale, il y a tout un aspect culturel, hein. Et ça en Suisse aussi c'est énorme, la vache, c'est un symbole, hein. Et c'est comme si vous alliez détruire l'identité des gens si Ça. vous dites on arrête d'élever des vaches, hein. Exactement. Exactement. C'est vraiment, ça vient toucher, oui, comme vous dites, à Oui. l'identité Oui. régionale, à l'identité humaine, individuelle, quoi. Oui. Ouais, c'est hyper ancré. Et pourtant, il y a un moment où je crois qu'il va falloir passer à autre chose et voir réellement ce qui se passe, hein. Absolument, et là aujourd'hui, on a plein d'organisations, même l'ONU, hein, qui le dit, qu'on doit diminuer notre consommation de viande, que voilà, l'élevage bovin, bah, c'est quelque chose qui a un impact quand même important sur l'environnement, hein. On parle de l'élevage, c'est pire que les transports, hein, tout inclus, aviation inclus, hein, en termes de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vache émet l'équivalent de 7 tonnes d'équivalent CO2 par année, donc c'est un vol Genève-Sydney, hein, juste pour situer. Donc c'est énorme, c'est colossal en fait. Et puis alors il y a les gaz à effet de serre, et puis il y a l'utilisation des sols, hein, les ressources qu'on utilise. En fait, avec l'élevage, on n'est pas efficient puisqu'on
On utilise des espaces. Alors on va dire oui, mais l'élevage bovin, on utilise de l'herbage qu'on va pas pouvoir utiliser pour l'humain, ce qui est vrai. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des animaux qui sont élevés sont des volailles et des porcins. Enfin, majoritairement, les vaches vont effectivement utiliser des herbages, mais pas que. On utilise aussi des surfaces arables pour, ben voilà, on donne du maïs aux vaches, on donne des blés fourragés, des betteraves fourragères. Enfin, les vaches sont nourries avec tout un tas d'aliments qui sont cultivés sur des terres ouvertes et qui utilisent voilà, des sols à outrance. Et on est dans un système qui n'est pas efficient. Dans un monde où on croit encore, une population croit, avec les problèmes écologiques qu'on connaît, et en réduisant notre consommation de produits animaux, on pourrait résoudre, en tout cas, atténuer les problèmes écologiques qu'on connaît actuellement. Oui, complètement. C'est ça. Est-ce que vous auriez un message pour terminer cette interview à faire passer, je ne sais pas, aux personnes qui nous écoutent, ou même peut-être s'il y a des éleveurs ou des agriculteurs qui nous écoutent? Oui, moi, ce que je dirais, c'est que il y a, voilà, là, je parle des problèmes écologiques, je parle des problèmes éthiques hein, que provoque l'élevage, mais il y a quelque chose qui est central à mon sens, c'est écouter aussi ce qu'on ressent, c'est écouter son cœur, c'est quand on est mal à l'aise avec l'idée d'amener un animal à l'abattoir. Ben, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me convient? Est-ce que voilà, est-ce que je suis pas en train de répondre à un système qui se marche dessus avec ou en plus les agriculteurs, faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture est en faillite. S'il n'y a pas de subventions publiques, il n'y a Oui. plus d'agriculture en Europe, hein, que ce soit partout en Europe, c'est fini. On ne rémunère pas les agriculteurs à leur juste valeur. On ne rémunère pas les produits qui permettent de couvrir un coût de production et qui permettent de rémunérer correctement un agriculteur ou une agricultrice. Il faut bien comprendre ça. Donc c'est un système qui marche à l'envers du bon sens. Dans un système en plus qui se dit une économie de marché libérale, etc. Et en fait, on subventionne. Donc en fait, aujourd'hui, l'agriculture est sous la tutelle de l'Europe, enfin de la PAC. Pour ce qui est de l'Europe, en Suisse, c'est le même système. C'est voilà, sauf que c'est pas la PAC. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses? Et Non, puis si on revient au cœur, voilà. L'agriculteur, l'agricultrice qui est mal à l'aise avec l'idée d'amener son animal à l'abattoir. La personne qui se dit, ah, mais moi, je pourrais pas tuer le steak que j'ai dans l'assiette. oui. Ou qui, je sais pas, verse une larme quand elle voit une vidéo d'abattoir ou comme ça. Mais il faut se poser les bonnes questions. Se dire, mais est-ce que dans mes actes de consommation, je suis aligné avec ce que je ressens? Et je pense que la plupart des gens ne le sont pas parce que les gens sont bienveillants. Oui. Enfin, disons, de manière générale, sont bienveillants, en tout cas, ne cautionnent pas la maltraitance animale. Et il faut que les gens se posent les bonnes questions, à mon avis, et rejoignent voilà, ce qu'ils ressentent et agissent en conséquence. Et puis, voilà, c'est toute une gymnastique psychologique, c'est les dissonances cognitives, là, c'est des mécanismes de protection. C'est pas facile, mais voilà, il faut rentrer dans cette réflexion, à mon avis. Merci beaucoup Jean-Marc, vraiment pour votre témoignage essentiel et si important aujourd'hui. Et donc, je peux que vous recommander cet ouvrage, Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages, que vous pouvez retrouver donc sur le site de L214 et également sur votre site que je mets en lien, bien entendu, sous cette vidéo. Encore merci, merci à vous Jean-Marc. Merci à vous.